Alors, lorsque moi je suis arrivée au CSA, une étude mettait en évidence qu'il y avait seul 7% de retransmission sportive féminine sur les écrans de télévision. Une opération avait été montée et moi j'ai repris cette opération en l'amplifiant, en allant chercher à la fois le ministère des Sports, le conseil de CNOSF, Comité National Olympique, et le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes pour qu'on puisse monter une sorte de task force, discuter ensemble des problématiques de la sous-représentation du sport sur les écrans. Et finalement, en défrichant cette problématique-là, en travaillant avec ces autres institutions, on montre bien, et en tout cas on a mis en évidence que malheureusement, se posaient d'autres questions que celles de la sous-représentation médiatique, mais se posait aussi la question de la gouvernance, des questions d'accessibilité à des stades, aux stades pour les filles, le fait que beaucoup de jeunes filles s'arrêtent de pratiquer le sport. Donc on voit bien que beaucoup de problématiques étaient posées sur la table. On a tenté d'y remédier en lançant un événement qui s'appelle donc Sport Féminin Toujours, pour qu'on puisse mobiliser, sensibiliser l'ensemble des médias, à la fois radio, télévision, sur cette question-là. En 2018, les chiffres montent à environ 18% de retransmission sportive sur les écrans. Donc on a beaucoup avancé, les choses avancent, mais vous serez d'accord avec moi pour considérer qu'on est quand même très en deçà, évidemment, de la parité. Mmh. Et donc il faut continuer cette opération, mais aussi cette opération de mobilisation de façon plus générale sur la question de la place de la femme dans la société. Qui est important, c'est la formation. Déjà, c'est le fait que nous en ayons conscience, et ça, bravo à vous pour cette réalisation de sondage, parce que c'est hyper important qu'on puisse finalement objectiver les questions que l'on se pose par un retour de ressenti de par la population. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a des indicateurs qui soient mis en place, qui là encore objectivent si c'est juste du sentiment ou si c'est une réalité. Et puis ensuite, mettre en place une politique d'aide pour les femmes à accéder à des postes de gouvernance. Ces éléments-là sont présents. Maintenant, est-ce que les sportives en particulier, je pense qu'elles-mêmes, les sportives féminines, aujourd'hui les plus jeunes sont peut-être plus sensibilisées à cette question. C'est bien tout l'enjeu de l'ensemble de ces actions, c'est de sensibiliser les plus jeunes pour que lorsqu'elles soient adultes, elles n'aient pas le même comportement et qu'elles puissent occuper l'espace au même titre que les garçons. Et pour les autres, la question de la formation, de l'éducation est évidemment centrale. Il y a plusieurs éléments qui expliquent cette sous-représentation des sportifs de haut niveau sur les écrans. D'une part, c'est assez culturel. On sait bien que dans le monde du sport, ou le sport, nous ne sommes pas, on va dire ça autrement, la France n'est pas un grand pays de sportifs. Donc cette question-là vaut pour les hommes, mais particulièrement pour les femmes. Le baromètre du CS, que le CSA a mis en place, ce qu'on appelle le baromètre de la diversité, révèle aussi qu'il y a un nombre relativement faible de femmes expertes sur les plateaux, par exemple. Met en évidence que dans les retransmissions sportives, au sein de l'enceinte sportive, peu de femmes sont présentes aux alentours, sur le terrain. Dans les magazines, peu de femmes sont présentes pour le commentaire des sports. Donc on se rend bien compte qu'il n'y a pas simplement cette question de médiatisation. Il faut en revenir aux origines. Et effectivement, il y a plusieurs éléments qui l'invoquent, culturels comme je l'évoquais. Question d'autocensure. On sait bien que les femmes, en fait, s'autocensurent naturellement. Elles ne vont que vers des sujets qu'elles maîtrisent totalement. Et donc, ça aussi, il faut absolument le travailler. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits aujourd'hui en entreprise pour mobiliser les femmes, pour les aider à monter, pas simplement en compétences, mais simplement en expression d'elles-mêmes, en assurance. C'est vrai dans les écoles, toutes les études mettent en évidence que finalement tout ça est vrai très petit. Il y a une sorte de conditionnement chez la petite fille qui devient femme à ne pas prendre naturellement ou facilement l'espace, le terrain qu'elle doit occuper. Clairement,
clairement, la médiatisation est indispensable. C'est-à-dire que les médias constituent un levier d'action indispensable pour pouvoir fabriquer cet écosystème vertueux et que les femmes puissent, effectivement, plus vous êtes présentes dans les médias, et notamment, c'est très vrai, on voit bien dans les retransmissions sportives, depuis le début des années 2010, où il y a des retransmissions sportives féminines sur les écrans, eh bien, on constate une hausse des licenciés EES dans les clubs sportifs. Donc il y a une corrélation positive entre l'exposition médiatique et la pratique sportive. Ça, c'est un premier point qui est important. Donc elles ne doivent pas être absentes de l'espace médiatique grâce à ce cercle vertueux. Ensuite, les chaînes de télévision ont pu voir l'effet positif de pouvoir retransmettre des compétitions sportives féminines. Pour la Coupe du Monde, par exemple, la dernière Coupe du Monde de football féminine, oui, 2019 exactement, diffusée sur TF1, on a eu 10 millions, 11 millions, 12 millions de téléspectateurs, hommes et femmes, qui ont soutenu l'équipe de France.